qu'est-ce qui vous amène cette année au Salon de l'Agriculture de Paris ? Alors cette année, on est venu au Salon de l'Agriculture puisque Chloé Brichet, ici présente, a été sélectionnée pour participer au CJAJ en pointage Primalstein. Alors, le principe du pointage, c'est de noter des animaux par rapport à des caractéristiques morphologiques pour pouvoir les sélectionner et améliorer encore leur génétique. Chloé, elle a participé aux qualifications régionales qui se sont déroulées sur le lycée agricole de Arennes et elle est arrivée première en qualification Primalstein. La difficulté, c'est peut-être par rapport aux autres candidats, c'est vrai que il y a des BTSPA, Chloé elle est seulement en première bac pro. Je voyais bien que j'étais une des plus jeunes, donc c'est toujours un peu plus stressant, puis on était assez nombreux. J'avais la mamelle à évaluer, la capacité laitière, l'état corporel général de la vache. L'évaluation, donc il y a 4 animaux à pointer et le but des jeunes c'est justement de se rapprocher le plus possible du pointage de l'expert qui a lieu juste après. Alors quelles sont les qualités d'ivoire ? Ses qualités c'est que c'est une vieille vache, elle est, c'est une mamie maintenant et elle est très très bien conservée pour son âge, c'est pour ça qu'elle est ici aujourd'hui. Elle fait partie des plus vieilles vaches du concours. Donc c'est une fierté quelque part d'emmener une vache en 7e lactation ici en fait. Elle concourt tous les ans, donc elle a eu plusieurs fois le titre de grande championne de la région, de réserve grande championne de la région. Elle a remporté des championnats de mamelles. Elle a fait un prix ici à Paris l'an dernier. C'est-à-dire qu'elle sera peut-être là l'année prochaine en J'espère. Sur les côtés, s'il vous plaît. Attention, monsieur.